Le dispositif de Normandie. Ici, l'investisseur acquiert un logement ancien dans l'un des centres-villes français éligibles à la loi, soit des villes ayant signé des conventions cœur de ville ou ayant engagé une opération de revitalisation de leur territoire. On trouvera par exemple Moulins, Charleville-Mézières, Foix, Troyes, Carcassonne, Rodez, Bergerac, ou en région parisienne, par exemple Mantes-la-Jolie ou encore Rambouillet. Votre CGP saura vous compléter la liste. Il y a 245 villes éligibles. L'investisseur engage ensuite des travaux de rénovation du bien pour le remettre en conformité. La mise en location du bien offre une réduction d'impôt identique à celle de la loi Pinel Métropole. L'accès à la loi de Normandie est régi par quelques conditions préalables, comme le montant total des travaux de rénovation du bien qui devront représenter 25% du coût total de l'opération, dans la limite d'un investissement de 300 000 euros. Les décrets d'application ont apporté davantage de précisions quant à la nature des travaux à réaliser. Un DPE, diagnostic de performance énergétique, devra être réalisé au départ afin d'évaluer les travaux à faire pour améliorer la performance énergétique du logement d'au moins 30% et devra comporter deux types de rénovation sur un bouquet de 5 proposés. À l'issue des travaux, un second DPE sera effectué avec comme pour objectif de démontrer les réductions de consommation d'énergie. N'hésitez pas à nous contacter pour approfondir l'approche patrimoniale d'une défiscalisation immobilière et bénéficier d'un premier entretien gratuit avec l'un de nos conseillers CGP One. À très bientôt sur notre site.